Bonjour, c'est Stéphane et on se retrouve pour une vidéo avis film pour ce soir. C'est un film qui est sorti le 26 juin 2007. Il dure 1h31. Un film épouvante, thriller et horreur. Je vais vous parler du film Dead Silence. Voilà. Sa femme tuée dans des circonstances aussi atroces qui ont été après avoir reçu une inquiétante poupée en voyant par un explorateur inconnu. James Asher revient à Riverfray, la ville de son enfance, et a découvert que son épouse se trouve être la nouvelle victime d'un mystérieux malédiction. Soupçonné de meurtre par un policier, le jeune homme tente de prouver son innocence et se retrouve face à la vérotronique Mary Shaw, une sapin qui mort en enterrée dans longue date, sans plus vivant, dangereuse et reconnaissante que jamais. Voilà, c'est à peu près ça. Voilà, comme je dis, c'est. Voilà, le jeune homme, avec sa femme, elle perd sa femme, quoi. Elle reçoit une poupée mystérieuse. Et il a trouvé son existence, quoi. Voilà. Après, il arrive plein de trucs. C'est un peu. Et j'ai bien aimé l'ambiance du film. Avec des séquences un peu héroïques de ce film-là. Comme acteur dedans, il y a Kike qui joue de ce film. Il y a Ryan Conway, Denis de Wahlberg, qui est le frère de Mark Wahlberg qui joue dedans. Voilà. Qui joue le policier dans ce film. Que je peux dire encore de ce film, il faudra trouver. Moi, je spoil pas trop ces films-là, mais c'est que il faut trouver le tueur, tout ça. Le petit indice, tout ça, c'est à vous de trouver. Après, j'aime bien l'ambiance de ce film. Moi, j'avais déjà vu il y a très longtemps ce film. À Paris dans les années 2007 quand même, parce que c'est l'année qui est sortie ce film-là, et toujours, même pas 12 ans après, il est toujours aussi bien. C'est pour ça que je mettrai la note de 3 étoiles. Très bon film. J'ai failli mettre un très bon film, mais pour moi il a un peu lent au début, et j'ai bien aimé le milieu du film, quoi. C'est là que ça y a eu le plus d'action, c'est là qu'on voit plus les poupées, et on comprend plus le film un petit peu. Et aussi, j'ai bien aimé la musique. Elle me fait penser à la musique de Exorcisme. Un peu, quoi. Ça ressemble un peu à ça, puis c'est j'aime bien, moi, un peu cette musique-là, et voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de ce film? Voilà, si vous regardez, vous allez vous éclater, voilà. Après, ce film-là, vous pouvez le trouver n'importe où, Amazon, je crois qu'il y est sur Netflix, OSS aussi, il y est. DVD, Blu-ray, vous pouvez trouver partout ce film-là. Après, est-ce qu'il a eu une récompense? Je sais plus s'il a eu une récompense, ce film-là. Mais je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il y a eu une récompense. Non, 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 il n'y a pas eu de récompense. Voilà. Et c'est un film américain, bien sûr. Voilà, mes amis, moi je vais vous quitter. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Et vous, est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce que vous avez aimé ce film? En plus, il y a beaucoup de fans qui voudraient avoir un deuxième opus, mais le deuxième opus a jamais eu lieu.
J'ai vu sur un site, il y a un autre film, Dead Silence, mais c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec le film là, quoi. C'est le même titre, mais c'est pas le même film, quoi. Voilà. Alors que je peux dire encore une fois, encore, vive le cinéma. Voilà, moi je suis un peu fatigué de ma journée, je vais aller me coucher. Et moi je vous dis ciao, ouais, à la prochaine, et vive le cinéma encore une fois. Bye.